Studio Duito, c'est ici que ça se passe. Sur les 4 milliards de vidéos qui sont visionnées chaque jour sur YouTube, vous avez quand même été cliqué sur celle nommée « Je me remets à l'anglais ». C'est courageux, c'est audacieux de votre part. Bravo, congratulations. Well done, guys, well done. Il y avait des titres un peu plus vendeurs quand même hein, sur les autres vidéos. C'est pas mal d'avoir cliqué là-dessus. Aujourd'hui, c'est notre première leçon. J'ai donc décidé de dédier ce premier tuto Duito à « Greetings in English » ou « Comment saluer quelqu'un ?» Lui demander comment il ou elle va, être capable de répondre à la question et savoir dire au revoir à quelqu'un. Et toutes ces expressions dans un contexte informel, c'est-à-dire entre amis, avec des gens qu'on connaît, et dans un contexte formel, au travail, dans une entreprise, avec des gens qu'on ne connaît pas, et donc des formules adaptées à la situation. Ça vous convient? En même temps, il n'y a pas le choix, c'est moi qui pilote. Let's go, guys! Brace yourselves. Commençons par le commencement. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on allait apprendre à dire bonjour. Ça peut paraître une évidence pour certains, mais moi, en tant que prof d'anglais, j'en ai marre des gens qui me disent hello. Hello, hello mister. Hello Mr. Duito, how are you? Good morning, Mr. Duito. J'en peux plus là. J'en peux plus, je vais démissionner là les gars. Hein? On va faire quelque chose. On va arrêter là parce que ça fait du mal au prof d'anglais ça. Donc, dire bonjour, ça peut paraître une évidence, mais c'est pas si simple que ça. Il y a plein de manières de dire bonjour. On peut dire hello, hi, hey, hi everybody. Hey guys! Hello there! Hi there! Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night! Alors, petite précision pour le hi. Pas mal de gens pensent que la bonne traduction de hi serait salut. C'est pas si évident que ça. Ça peut vouloir dire salut. Hi! Hi Mark! How are you? Hi! Ça peut aussi vouloir dire bonjour. Ça peut être utilisé avec quelqu'un qui n'est pas forcément proche de soi, quelqu'un qu'on voit quotidiennement, ça peut même être son supérieur. On peut dire hi à son supérieur. J'autorise mes élèves à me dire hi, alors que je ne les autoriserais pas à me dire salut. Donc, l'utilisation de hi n'est pas simplement réservée au salut amical entre copains. Ça peut être aussi dans un contexte un petit peu différent. Quand on rencontre une personne pour la première fois, il est d'usage de dire « Nice to meet you. Pleased to meet you. » Et la personne de répondre « Nice to meet you too. Pleased to meet you too. » Si vous n'avez pas vu la personne depuis un certain temps, une expression très utile que j'aime beaucoup est « It's been ages. It's been a while. I haven't seen you for ages. I haven't seen you for a while. » Dans un contexte plus formel, au travail, avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément ami ou qu'on côtoie dans un contexte personnel, il est d'usage d'utiliser « hello ». On ne va pas utiliser « hi » forcément. On va utiliser davantage « hello ».« Hello ». »« Good morning ». »« Good afternoon ». »« Good evening ». Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois dans un contexte professionnel, ce sont les mêmes expressions que dans un contexte informel, mais des expressions un peu plus élaborées. It's a pleasure to meet you. I'm very pleased to meet you. On va voir maintenant comment est-ce qu'on demande à quelqu'un si ça va. Encore une fois, il y a différentes manières de demander à quelqu'un comment ça va et d'y répondre. La phrase la plus courante dans un contexte informel est How are you? Hey, hello, how are you? How are you doing? Entre amis, on peut également se demander Hey, hey guys, what's up? Qui signifie quoi de neuf? Pour répondre à ces questions, tout dépend de l'état du jour. Vous pouvez tout à fait répondre I'm fine, thanks. I'm good. Si ça va moyennement, vous répondez I'm okay, I'm okay. Alors attention à I'm okay. Les Français ont tendance à croire que okay veut dire bien. I'm okay en anglais ne veut pas forcément dire bien, il veut plutôt dire ça va ni très bien ni très mal,
on va dire ça va correctement, moyen. En revanche, si vous êtes en très bonne forme, vous répondez I'm excellent. On peut également répondre à la question How are you? How are you doing? De la manière suivante Not bad, not too bad, qui revient à dire la même chose qu'en français, pas mal, ça va pas mal, ça va pas trop mal, not bad, not too bad, et vous renvoyez la question. How about you? What about you? How are you? Dans un contexte formel, on va réutiliser l'expression How are you today? How are you? Ou alors, How do you do? How do you do? À laquelle on répondra exactement la même chose. C'est une question qui n'appelle pas de réponse particulière, elle appelle juste un How do you do? Vous l'aurez compris, on ne répond pas I'm fine, thanks à quelqu'un qui vous pose la question How do you do? On lui répond simplement How do you do? Que peut-on répondre donc à quelqu'un qui nous pose la question dans un contexte formel How are you today? Vous pouvez tout à fait répondre I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. On évitera d'utiliser thanks dans un contexte formel. Dernière étape de la leçon, nous allons voir comment dire au revoir à quelqu'un. Encore une fois, il y a différentes manières de dire au revoir selon la personne à laquelle on s'adresse. Dans un contexte personnel, on utilisera très facilement l'expression bye. Goodbye, bye bye. See you later. Ok, see you, bye. Si vous devez partir, il est d'usage d'utiliser une expression du style I'll be off now. I have to go. I must go. Chose à laquelle l'interlocuteur peut répondre Sure, speak to you later. No problem, see you later. Take care. Bye. Dans un contexte plus formel, enfin, les expressions à nouveau seront plus élaborées. L'expression « goodbye » est bien sûr tout à fait utilisable. Si vous voulez indiquer à la personne que vous avez eu du plaisir à la rencontrer, il existe l'expression « It has been a pleasure meeting you. I hope to see you again. I look forward to seeing you again soon. » Si le sentiment est réciproque, vous pouvez tout à fait répondre « The pleasure was mine. » J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à noter ces expressions. Allez répéter le plus souvent possible à voix haute, et c'est une chose sur laquelle j'insiste énormément, la répétition à voix haute est quelque chose de vraiment formateur qui va vous aider. Et l'idée c'est d'avoir, de suivre le modèle, d'écouter ce que je dis et d'essayer de reproduire la même chose. Les tutos de 8 os, c'est fini pour aujourd'hui. I'm really looking forward to seeing you again. Take care everybody, thanks very much for your attention. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont sorties. Pensez à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Continuez à en parler autour de vous. Et bien entendu, laissez des commentaires. Posez-moi des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Bye everybody. Cheers.